Maintenant, on va voir l'emplacement de toutes les têtes de Wack Wack pour débloquer le trophée le succès Arbre de Vie. Vous avez très certainement croisé des arbres Wack Wack dans le jeu, il y en a énormément et seulement 8 d'entre eux possèdent une petite tête à qui vous devez parler. Il faut donc toutes les trouver et donc si vous ne l'avez pas fait au fur et à mesure, eh bien vous pourrez bien sûr le faire après à la fin de l'aventure. On va voir les emplacements de ces arbres ensemble. Le premier, on va le trouver dans la forêt hyrcanienne. Celui-ci est sur le chemin de l'histoire principale, donc ça ne devrait normalement pas poser de problème, même si vous n'êtes pas forcément sûr de leur avoir parlé, donc n'hésitez pas à retourner faire un tour sur les différents arbres, ça va globalement plutôt vite en fonction des points de téléportation que vous avez débloqué. Voilà en tout cas pour cette première petite tête, il va s'agir de Camille ici, voilà qui est fait pour cette première tête. On enchaîne maintenant toujours dans la même zone, mais on part juste à côté dans l'arbre Soma, dans la grande zone de simplement cette confrontation que vous avez à faire ici avec le boss. Et bien directement après, vous aurez un arbre qui aura poussé, enfin qui sera apparu, et vous devez parler à cet arbre. Et c'est très important de le faire puisqu'il y a une petite tête également. On peut éventuellement le zapper celui-ci, donc pensez bien à y retourner. Ensuite, le suivant va se trouver dans la mer déchaînée. Il se trouve à l'intérieur d'un navire ici sur la première partie de la zone. Vous pourrez arriver alors soit par le haut si vous avez suivi mes guides 100% par le petit bateau qui est au-dessus, soit directement eh bien, par la gauche, et vous pourrez interagir avec pour là aussi parler à la petite tête qui est donc ici eh bien, en bleu. Donc pas de souci pour le trouver. On continue désormais dans la zone du gouffre des sables sans fin, dans la deuxième grande salle. Donc ici il vous suffira de descendre grâce au sable qui vous permettent justement de changer de niveau, et juste à côté eh bien, de l'un des sables vous repérez la petite tête accrochée à l'arbre, celui-ci aussi sur l'histoire principale, donc normalement ça devrait être déjà fait. On peut directement faire ensuite à la tour du silence. Sur la première partie de la tour du silence, en partant sur la gauche ici, ça c'est éventuellement manquable si vous n'êtes pas venu jusqu'ici, et bien tout au bout de ce couloir sur la gauche, vous trouverez effectivement une autre petite tête à qui parler. Ensuite, on va aller du côté des profondeurs, en plein milieu des profondeurs, entre la partie gauche et la partie droite. Vous pourrez donc arriver soit par ici, soit éventuellement de l'autre côté si vous avez déjà débloqué les accès. Dans tous les cas, en dessous de cette grande salle se trouve effectivement un arbre Wack Wack avec une petite tête. Normalement, là aussi, c'est déjà fait puisque cette petite œil vous aide durant l'histoire principale. Donc, normalement, c'est bon, mais soyez sûr de lui reparler pour être certain. Ensuite, on va continuer en direction de la haute citadelle, et donc dans cette partie-là, là où il y a les différents trous et les différentes plateformes que vous pourrez utiliser pour grimper, et bien justement il faudra monter pas mal avec énormément de plateformes à utiliser pour monter donc au niveau supérieur. Donc je vous laisserai faire de votre côté ces quelques plateformes, je vous accélère pour aller un petit peu plus vite. Et donc juste au dessus là où il y a également un coffre, et bien vous pourrez très vite trouver l'arbre en question. Celui-ci est totalement secondaire, donc il vous le manquera peut-être pour le trophée. Voilà pour cette petite tête. Et donc huitième et dernier arbre, on va aller en direction des archives sacrées. Ici au tout début de la zone, si vous arrivez depuis la basse citadelle, vous rentrez par la porte et vous montez directement au-dessus de cette première grande salle. Et c'est directement là que vous trouverez effectivement eh bien, la huitième et dernière petite tête. Il faut utiliser bien sûr les escaliers qui s'orientent en fonction de si vous regardez à gauche ou à droite pour grimper au niveau maximum. Vous le voyez directement ici, vous pourrez interagir avec. Et si vous avez bien parlé à toutes les têtes, eh bien, vous débloquerez le trophée Arbre de Vie. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller regarder ce que j'ai publié également sur mon site, sur mes deux chaînes YouTube, principale et secondaire. Je vous rappelle également qu'il y a une playlist de toutes les vidéos que je vais faire sur Prince of Persia. Tous les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner également. Et on se retrouve très très vite. En attendant, n'oubliez pas les petits cafés.